Yo tout le monde, c'est X-Ray21. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier 1v1, donc face à Slice Freshy. Donc, merci à Freshy, franchement, il m'avait proposé, je lui avais promis. Donc, il a choisi le jeu, la map, l'arme, enfin, le snipe, les accessoires, les atouts, enfin, tout. Donc voilà, je serai jamais l'autre, je pense. Donc là, c'est lui l'autre. J'avais déjà fait cette vidéo, j'avais gagné, mais bon, ça avait bugué, puis à la fin, il y avait quelqu'un qui était rentré, tout ça, donc c'était un peu le bordel. Donc là, on le refait. Donc allez, c'est parti. Donc ça, radar actif. Et je vous le dis franchement, je suis pas très bon, moi, au MBM. Je sais pas. Je suis pas vraiment très fort pour flash quoi, pour feed quoi en gros. Vous allez voir, j'ai pas vraiment la technique. Oula les rues. Par contre, ça je sais pas, le zoom ajustable, s'il faut faire un zoom ou pas. Moi j'en ai fait une. Je sais pas, j'aime pas de toute façon donc. Là, je t'avais vu. Bon, je vais arrêter de ramasser ton zoom ajustable parce que si ça continue, tu vas me gagner après. Oh le bâtard. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, pour les vidéos tous les deux jours et tout ça, je sais pas si j'y arriverai à le faire à ce truc. Donc de toute façon ce sera soit tous les deux jours, soit tous les trois. Enfin après je sais pas si au bout de 4 jours si pendant 4 jours il n'y aura pas de vidéo ou quoi. Mais je pense pas franchement ça. Et ce sera minimum tous les 2-3 jours. Si j'ai bien vu là, t'avais envoyé ton avion espion, donc je pense qu'il y a droit aux séries de victimes. Pas de problème. Après c'est le choix du joueur. Donc pour les MVS1, pour info, j'ai Black Ops 1, Black Ops 2, MW3 et MW2. Donc MW2, je sais pas si je l'aurai toujours, parce que c'est mon cousin qui me le prête. Donc après c'est au choix, le jeu, je vous laisse tout choisir. Donc après si je perds, c'est pas un problème. Voilà. Donc je refais cette vidéo parce qu'il y a eu un bug. En fait, le son de ma voix a pas été enregistré, je sais pas, ça. Il y a eu un gros bug. Et voilà, du coup je refais la vidéo. Là je pense que après ce sera bon. Enfin, je vais directement enregistrer tout ça, commencer le montage et tout. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien de faire du camping. Moi je rigole, t'as la sponge, je t'ai pris dans le dos. Bon après franchement moi je dis à tous les gens qui feront des MVM face à moi, jouez le mieux possible. N'ayez pas peur de me défoncer. Mais franchement, c'est juste pour rire. Hein, moi, perso, même si je perds 30-0, c'est pas grave. C'est le but du jeu, le but du projet. Oh! Je vais voir ce wallbang là. Oh, bâtard. Oh les rats. Ouf. Donc je joue pas mal au Tomahawk. Donc après c'est sûr que s'il y a des frags et tout dans vos classes, je m'en servirai pas parce que ça quand même, je trouve ça franchement nul d'utiliser des Semtex et tout.
Après, c'est des choix perso. Si vous voulez utiliser tout ce que vous mettez sur votre classe, c'est un choix, c'est un choix. Donc j'espère que ma connexion va pas bug, parce que hier elle avait pas bug contre Frischi mais contre quelqu'un d'autre. Donc c'était un peu chiant. Bon, étant donné que je gagne, je vais essayer de ne pas utiliser mes séries victimes. Enfin, mon avis espion plutôt. Oh putain, mais t'es là. Ouf. Waouh. Je veux voir ça, tu m'as calmé. Waouh. Pas quoi vous dire, mais on va parler un peu des projets, même si ça se répète dans chaque vidéo. Donc il y a le projet des 1v1, bon les tutos, bon ça c'est, ce sera toujours hein. Donc c'est même pas un projet quoi, c'est, donc il y a les tutos, les 1v1, il y aura des vidéos exceptionnelles avec avec mon cousin, donc il y aura du zombie, des 1v1 mais spéciaux, de la forme avancée peut-être, on verra, sur Black Ops 2. Donc on s'éclate et on fait du coup, on fait celui-là qui fait la plus grosse feed, des trucs du genre quoi. Donc là il y a égalité, donc si je me fais tuer, ah ouais, il me brouille et tout, vous voyez, là c'est sans pitié avec Freshy. Vraiment nul, hier j'y arrivais, j'étais un peu mieux que là, et un peu meilleur. Donc voilà, il y aura du zombie, des tutos, des 1v1, de la forme avancée pour le fun, des cache-cache, des loups, on verra ça. Donc il y a déjà eu un cache-cache, il y aura un loup, parce que j'ai déjà une vidéo, en fait il faut faire le montage. Avec OXG Base et peut-être je sais plus dans quel team il est, Monsieur Zox, pour ceux qui le connaissent. Donc il y aura des projets spot, des spots trickshot en sortie de map sur Black Ops 1. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien hein. Désolé, je suis malade. Pour ceux qui aiment bien trickshot en privé et tout, ou ceux qui aiment faire des sorties de map et qui trickshot occasionnellement, ben voilà, enfin, je sais pas, c'est comme ça, je sais pas, c'est Base qui m'a proposé ça. Donc je vous mettrai une vidéo sur ça dans pas très longtemps, donc la première vidéo qu'on a faite. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y aura après? Tellement de choses que j'aimerais faire, mais bon. Voilà, bon, après le zombie, franchement, en ce moment, je m'éclate avec mon cousin. On s'entraîne sur D-Rise à fond, donc sur Black Ops 2. On se régale, quoi, en ce moment. Juste, on rencontre des gens qui font du zombie, donc qui nous expliquent un peu des glitches. Donc, par exemple, pendant les matchs de Gouloum, ce qu'il faut faire, c'est franchement énorme.
Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. En fait, la mâche des goulons, le truc c'est, vous tirez pas une balle, vous mettez que des coups de cut. Ou avec, nous on fait avec les propulseurs. Donc on se fout dans un coin, on pose quelques propulseurs. Donc il en faut 3 pour boucher le coin où on se fout. Donc on pose nos propulseurs, on se met bien derrière. Et en fait, le truc c'est qu'on laisse les goulooms venir sur nous et ça les tue en fait tout seul. Et voilà, et après on a le droit qu'au cut sinon. Et le truc c'est au moment où on finit de tuer les goulooms, donc on prend les mines et tout. Enfin, je sais pas si le. En fait, on gagne un atout gratuitement, donc c'est aléatoire, donc on ne choisit pas, et sinon je pense qu'à chaque fois on prendrait une masto ou. Enfin, un atout bien quoi. Donc on gagne un atout aléatoire, et voilà. Donc à chaque fois qu'il y a des goulooms, on peut se faire un atout gratuitement. Donc par contre, pour les 1v1, je sais pas. Si on dit que la personne a gagné quand elle est à 29 ou pas. Donc voilà, là je suis à 29 kills. Donc je sais pas si on dit que la personne a gagné quand elle est à 29 ou pas. Donc vous allez voir, les 3-6 et moi, c'est une grande histoire. Hein. J'y arrive pas du tout. Et plus du tout. C'est pour ça que j'essaye de trickshot. Et puis j'arrive même pas à faire de Titanic, même si hier j'ai réussi à en rentrer un 3-6 Titanic. Oh là là, quelle honte. Donc voilà, je préfère trickshot, je vous le dis honnêtement. Même si là je fais que me fail partout. Donc entre les trickshots et les 3-6, je fais que ça. C'est horrible. N'envoie pas mes séries parce que tu verrais ça. Bon, allez, je les envoie. Je te bouille, j'envoie une U2, une seconde, troisième, 4, 4 U2, un anti-espion, un colis. Bon, ça va. Donc, voilà. Donc, je sais pas si toi, Fréchis, c'est le premier 29 qui a gagné pour toi ou pas. Bon, pour moi c'est ça un peu parce que le dernier, enfin le premier 29, il doit faire des 3-6, du coup l'autre il peut le rattraper, s'il est meilleur au 3-6, etc. Il peut gagner, donc, voilà. Donc Fréchis me tue, hein. Donc de toute façon, je sais pas, c'est lui qui décide, soit c'est le premier à 30, soit c'est le premier à 29. Vous voyez, l'overshoulder, il veut faire voir son talent. Vas-y, envoie-moi par message si possible, Fréchis. Est-ce que c'est le premier à 29 ou le premier à 30 qui a gagné? Envoie-moi par message si c'est le premier à 29 ou à 30 qui a gagné. Comme ça que je le fasse voir dans la vidéo et qu'il n'y ait pas de triche. Je ne vais pas dire que j'ai gagné, étant donné que tu as fait la kill cam tôt. Donc voilà. Est-ce que c'est toi, enfin, est-ce que c'est le premier à 29 ou le premier à 30 qui gagne? Là, je vais te l'envoyer par message. Donc, t'es pas compris. Alors, c'est. Ah, c'est le premier à 30 donc qui gagne. D'accord. Bon, c'est ta règle, donc t'as gagné, j'ai perdu. Donc tant pis, voilà. Donc la règle de Fréchis, c'était le premier à 30, je savais pas. Donc pour ceux qui veulent faire des 1v1, dites-le moi dans les commentaires ou sur le PSN.
Mais par contre, je tiens à vous dire que, comme fait des 1v1, on n'est que deux dans le groupe, pas plus. Oui, il est passé le overshoulder. C'est à deux, en privé, mais que à deux, donc pas à trois, sinon je refuse. Parce que après il y en a qui rentrent, d'autres qui rentrent pas et tout, c'est à peu près chiant. Après dites-moi l'arme, ma classe, etc. Tout ce que vous voulez que j'ai sur ma classe. Donc les grenades, l'équipement, tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, la map c'est vous qui choisissez. Au pire, je vous laisserai faire les parties à chaque fois. Comme ça, vous ferez vos classes vous-même et tout. Après, qu'est-ce que je vous dis? Donc ce sera K2. Je sais plus ce que je veux dire. Ah oui, si c'est le premier à 29 ou à 30 qui gagne, à part si vous voulez faire des mêlées générales, faire des 1v1 à 20 points, donc c'est au choix, je vous laisserai tout décider. Je vous laisserai me l'envoyer par message parce qu'on vous attendra pas dans les vidéos. Donc voilà, je vous dis à la prochaine tout le monde. C'était X-Ray21 et Slice Freshy. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye.